Resto Geek. Thibaut voulait parler de Docteur Wu. Ouais. Ah merde, c'est à moi de parler. C'est okay. À Thibaut de parler. Je crois que c'est à toi, ouais. Alors, est-ce que la régie a du son ? Ne le fasse pas comme la dernière fois. Normalement, j'ai du son, oui, tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci. Alors, Docteur Wu, Stalas, si t'as pas vu les épisodes, va te coucher, reviens dans 10 minutes. Tu suis le trailer ? Pas tout de suite. Je vais jouer à Norgard. Je sais pas si Stalas est là ou pas, mais globalement, je vais peut-être un peu spoil. Donc, si t'es pas là, barre-toi. Si t'es là, il faut qu'on discute pour faire un live théorie Docteur Wu. Surtout suite à l'épisode de Noël. Donc, Du coup, j'hésite un peu à me mute. Je vais couper mes oreilles. Alors, est-ce que le trailer te dérange ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le trailer ? ça dépend de qu'est-ce que tu sais de Docteur Wu. Je me suis arrêté à Peter Capaldi. Oula ! J'ai vu... Bon, bah, c'est bon. J'ai vu la première saison avec la Docteur d'après. Mais quand même, j'ai envie de mater, hein. Il faut que je mate, c'est juste que ça fait longtemps. Quoi. Eh ben alors, du coup, on va mettre le trailer. Ça va te donner envie et. Très bien. Et voilà. Ça va te spoiler un petit peu, je pense, mais c'est pas très grave vu le trailer. Ok. Tac, je vais juste. Tac. Oh yes. Je vais juste retourner sur la bonne caméra. La première seconde m'a déjà saucé. Les premières secondes sauce, effectivement. Hop, je mets le son à fond et profitez du trailer. Le meilleur docteur. Pardon, mais il est présent tout le temps. Sometimes I think there's something missing. Like I had something lovely. Alors attendez, pour les plus démunis, je vais mettre les sous-titrages si vous voulez. Juste, j'avais pas prévu, donc laissez-moi 2 secondes. Normalement, ah, mais on va voir le nouveau docteur. Est-ce que je peux mettre les sous-titres facilement ? Ah non, peut-être pas. Eh ben, débrouillez-vous. C'est pas grave, vous inquiétez pas, cherche public. Moi, je profite. Ouais, profitez. Sometimes I think there's something missing. Like I had something lovely. Vous aurez les sous-titres anglais, ce sera toujours ça. She will die. So what happens next? The spaceship crashes right in front of her. It's like she's drawing us in. What the hell? We've got a bloody Martian in the shed. Don't look. Oh, ça fait peur. Here we go again. Peur? I don't believe in destiny. Pourquoi il y a Barty Croupton Junior dans ce film? Oui, il y a un Gremlins. Pourquoi il y a Barty Croupton Junior? I've got a memory. After a very long time, something's coming back. Who are they? Monsters. Oh, Neil Patrick Harris. There's something so bad oui. It's hard to run away. Yes. We go and kick it off. Oui, et toi, Avenger. Ouais. C'est littéralement ça. Something entered this world. Oh, but he is recognizing me. Who is he? The one who waits. Open fire! Why does it have to be this? Your fight is with me! I don't know. If I can save your life this time. Worldwide premiere. Vous avez une question un peu débile, mais le docteur, c'est qui? C'est non, pas. Non. Ah, désolé. Je l'avais pas vu jusqu'au bout. Trop cool. C'est pas grave. C'est parti contre ton junior, le docteur, ou c'est oui, là, c'est le docteur. Mais c'est lui, du coup, on est d'accord qu'en fait, le docteur actuel, on s'en fout. Le meilleur docteur, ça reste lui. Je suis pas d'accord. Mais ça reste un très bon docteur, mais c'est pas mon préféré. C'est le meilleur. Matt Smith, c'est bien. Hein. Je préfère Capaldi. Capaldi, intéressant. Quoi?
Il y a le gars de Sex Education. Non, pas Matt Smith. Non, alors là, excusez-moi, mais ici, il y a Team Matt Smith. Ici, il y a Team David Tennant. Là, il y a Team David Capaldi. Je Natties, plus la... Natties et Smith. Moi, je préfère Capaldi pour essayer d'arriver. Je plus sois la team David Capaldi, elle est plutôt rare. Et moi, ma deuxième team, c'est Capaldi. Mais voilà. Je propose qu'on fasse un live spécial Doctor Who, si vous voulez. On fera, trop chaud. On fera même par pas contre, un truc. Coup, on fera que discuter Doctor Who. On fera alors, ce qu'on veut. Tipo avait raison. Faut que je rattrape mon retard. Voilà. C'est alors. Terrible. Du coup, pour les néophytes, on se retrouve avec David Tennant qui revient faire le Docteur. Quel bonheur, et qui vient terminer un peu son histoire avec Donna Noble, du coup. Ouais. Qui s'était terminé tristement comme ouais. beaucoup en fait. Ouais, comme beaucoup de ses compagnes. Mais globalement, il avait dû lui effacer la mémoire, et si jamais, ce qu'on apprend dans le trailer là, si jamais il a retrouvé la mémoire, possiblement ça peut la tuer. Et du coup, bah, il va se retrouver pile poil à côté d'elle quand il y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent. Ah oh, bah quel dommage. Donc on se retrouve... Tout ça pour affronter un lieutenant psychique de Starship Trooper. Je suis désolé, mais... C'est pas que le retour de David Tennant, c'est le retour de Russell T. Davis. Oui. Quel bonheur. J'ai pas vérifié pour la musique, mais je crois que c'est Murray Gold qui revient. On a aussi Disney qui a arraché les droits. Ça a fait grincer certains... Par sans contre, déconner. Ils ont fait x10 au niveau du budget et ça se voit, putain. Oui, alors la petite créature, je ne sais pas comment ils ont fait sincèrement, mais j'ai trouvé qu'elle est pile poil à 50% entre le côté cheapos de Doctor Who et des effets spéciaux un peu réussis. Du coup, ils sont pile poil dans la soft zone Doctor Who. C'est ouais. assez impressionnant. Il y en a deux qui sont un peu plus cheapos dans les quatre épisodes. Mais oui, je sais, Disney a acheté les droits de diffusion, mais ils ont quand même foutu... Ouais. Ils ont quand même foutu 10 fois plus de budget pour les épisodes. Une bagatelle. Oui, casse-toi, Stalas. Donc, Doctor Who, bref, 4 épisodes qu'on a regardés dans la journée avec Nighties qui sont incroyables. Franchement, j'ai beaucoup aimé le Docteur précédent, mais les scénarios, j'ai eu un peu de mal et Doctor Who commençait à prendre un mauvais tournant pour moi. Et là, quel bonheur, c'est bien écrit, c'est beau, c'est Doctor Who revient de plus alors, belle. Je sais que tu m'avais déjà convaincu en me disant qu'il ne fallait pas que je m'arrête là, mais ce qui m'avait fait ralentir Doctor Who, c'est la dernière saison avec la doctoresse. Et ouais. Même si elle n'est pas mauvaise, non, elle est pas mauvaise, jusque du coup, on a quand même eu plusieurs saisons avec un fil rouge absolument incroyable, des personnages vraiment forts, des saisons avec Peter Capaldi qui était incroyable, avec moi qui était un antagoniste génialissime, à la fois antagoniste et pas vraiment, enfin, il y avait des moments, mais à la fin du monde, c'est un de mes moments préférés. Et pourtant, là, on est retourné sur une saison 1 qui était, on se fait chier, quoi, parce que bah, c'est des épisodes, comme une vieille série, et il ne se passait pas grand-chose, il n'y avait pas de fil rouge, il y a des billes qui ont été restées. Je sais que tu m'as dit qu'il y a des trucs après, mais ça, du coup, je n'ai pas maté parce que ça m'a... Ça a donné pas mal de trucs sur le background du Docteur qui sont incroyables, mais là, on se retrouve avec ça. Et le dernier spécial n'est pas dans le trailer, là, vous avez en gros un trailer pour les 3 spéciaux. Qu'il y a eu, celui de Noël n'y est pas parce que c'est globalement avec le Docteur qu'on a vu à la toute fin, puisque Tennant il reste pas, il est juste venu faire coucou, on va dire. Ça fait un peu un bonjour Russell T, je reviens mettre un peu les bases qu'il y avait, puis après je repars avec autre chose. Excusez-moi, je viens redonner au scénario ses lettres de noblesse et sa vérité, et ensuite je me recasse et du coup, faut que j'aille tourner Harry Potter 9. C'est ça, le quatrième spécial est tourné sur le nouveau Docteur. Je trouve ça un peu dommage que ce soit un spécial parce que c'était un très bon épisode 1 pour la prochaine saison à venir. Voilà. Mais l'épisode est incroyable. Le nouveau Docteur est bon aussi. Bref, la musique est bonne, les effets spéciaux sont bons. J'avais très hâte pour le nouveau Docteur. J'avais très hâte pour le nouveau Docteur vu qu'il a joué dans Sex Education et que c'est un des meilleurs personnages. Oui. Donc, je très très hâte de voir le nouveau Docteur en action. Ouais, et sa compagne a l'air ouf aussi. Franchement, je peux pas en dire plus. J'ai kiffé, vraiment kiffé. J'ai pas kiffé Doctor Who comme ça depuis la fin de la saison 9, je crois. Vraiment, donc allez-y sans hésiter. C'est sur Disney Plus pour aller le regarder. Ce qui est dommage, c'est qu'on va pas faire sur France 4 comme à l'époque, mais au moins c'est déjà disponible. C'est déjà en français. C'est sur quoi? Disney Plus.
Oh bah hey, j'ai Disney+. C'est ça. Et les prochains épisodes arrivent en mai. Du coup, je pense que Salas, faut qu'il rattrape son retard, Sonata aussi. Et on se fait une émission Doctor Who plus théorie sur Doctor Who, parce que le dernier épisode a pas mal de théories. Bon, sur ce, c'était sympa. Bonne soirée à tous. Et puis, voilà, je m'arrête là. J'ai trop parlé, je pense. Moi, je vous fais confiance sur tout ce que vous dites parce que je ne connais pas la série. Eh bien, lui aussi, il va avoir des trucs à mettre. Alors, pour le coup, vous pouvez repartir de là. Si vous avez la flemme de reprendre le tout. C'est dommage, mais vous pourrez partir de là. Et la grosse tour, effectivement, c'était une grosse tour, comme dans les Avengers, etc. C'est Units qui est globalement l'entité qui protège le monde de tout ce qui est extraterrestre. Donc, ouais, il y a du moyen quand même. Il y a une grosse tour qu'ils ont faite, etc. Il y a un épisode, c'est un long vaisseau. Franchement, il y a du moyen et ça fait plaisir et c'est beau. Et putain, le Tardis, c'est beau aussi! J'aimais pas tout le précédent, celui-là est cool. Voilà. Il me faudra un abonnement Disney Plus aussi. T'es pas obligé de t'abonner à l'année. Alors après, sur Disney Plus, je crois qu'il n'y a que les spéciaux, il n'y a pas les précédents. Donc les précédents, faut les trouver. Allez, je ferme, tout le monde dehors!